Ah, je croyais que t'avais un truc. Ah, ça marche pas la... Est-ce qu'ils ont mis la voiture assez loin dans la voiture pour que t'aies... Oui, pour que t'aies un drive-thru? Non. Non, ça va. Bon. Tu vois le blue flag? Enfin, le... Green flag, tu verras en haut à droite. Ton JRT qui va s'éclairer, tu vois. Quand tu vas te lancer au premier tour. Tu peux pas le louper, hein. Allez. Qualification, deux tours. Je suis rapide. Oh là. Je suis flash. Vous êtes avec Emeric, évidemment, vous l'avez entendu. Bonjour à tous. Bonsoir. Enfin, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, le JRT qui vire au vert. C'est parti pour deux tours. On n'est pas dans la même session parce que iRacing est un jeu bien fait. LOL. La populace. Ça va, ça va. Ce qui me fait un peu, c'est que je fais partie des meilleurs ratings dans la division 2, donc... je précise, ça, c'est du second degré pour ceux qui... Ah, pour les gens, ils commencent à comprendre. Ah, s'ils ont pas compris au bout de 3 ans... Oui, oh, tu te moques des gens... Pas d'un pilote, on suit loin d'un train. On n'a pas les moyens, de toute façon. De toute façon, je joue au clavier. Burgerit, si tu nous regardes. Des bonnes refs. Un de Jack of Life. Putain, j'ai fait un temps de merde, 37. J'ai fait aussi 37. Tu me juges. Philippe. Je sais où tu te caches, bon. Alors. Deuxième tour, va-t-on va-t-on? Et je partirai dernier de ma session. Ah non, dixième. Les mecs sont très très... Check it flag. Qu'est-ce qu'il... On est P5. I wanna... Ah oui, je veux aller vite, c'est ce qu'il dit dans lui. Dans le film. I wanna go fast. Je vais aller vite. Sur l'arrière de ta voiture. Ah, qui vole la voiture à sa mère. Ah, one to go. It is right now. You're going to be on the outside. Pit road is closed. Oh. 1100. Jump. Please use patience. Et puis t'en as qui répond. A part la copa de Oraku Kanapa ou d'Idolo. Je parle pas japonais. Alors que ça broie des moules hein, sur la grille de départ. On l'entendait bien. Alors, parle pas japonais. Oh mais quel... Mais on le voit même pas, c'est ça qui est chiant quand on est pas dans la même session. Les mecs ils sont morts de rire. Et Bobby qui nous dit bonne chance. Bah si tu fous pas tout le monde en travers en te foutant toi-même dehors, ça va peut-être aller mieux, non? Craig, open a gold one, boys. Alors, la faut savoir que si vous avez vu les épisodes précédents, je crois le précédent d'ailleurs, la voiture noire qui est devant moi, c'est le mec avec la voiture numéro 16 qui nous avait mis dehors à International Speedway. Johnson. Et il part juste devant moi. Jimmy? S'il se loupe, hein. Au diable, n'importe quel safety rating ou n'importe quoi. Je le coupe en deux. Alors que tout le monde a avancé, mais pas le pescar, donc c'est tout gênant. Mec, accélère, accélère, je vais pas prendre un... Pour la NASCAR, ça peut... Oui, Racing. Racing. Mais la NASCAR, là-dessus, ça doit être tellement fun. Ah oui. Bah, je crois j'ai encore quoi, deux courses à faire ou une? Deux. T'es à combien? Je suis à 2,89. Faut que tu sois à 3, donc non, si tu fais une belle remontée. Ah, maintenant remonter quoi? Je suis... Oh, ils se sont touchés de 3 et 4 mètres. Si t'es dernier et que tu remontes, allez. Je suis P8, on verra bien. Oh, tu peux, hein, tu peux. Petit top 5. Tu touches, enfin non, même pas, c'est le SR donc tu touches personne. Ok, bah je m'arrête au box, premier tour.
Ah non, mais c'est vraiment faut que tu touches personne et que tu... Ah bah on va voir si Johnson devant il va nous la mettre facile ou pas cette fois-ci. Pas de mur, pas de hors contrôle, pas de rien. Ça va être compliqué. Attention. J'ai la safety, la PSCar qui pop. Je sais que je dois bien serrer mes ceintures, je le fais chaque fois que je me le demande. Je vais rester en deuxième pour la relancer. Ouais. Comme je suis dans les derniers, je peux un peu reculer et prendre de l'élan et bam. Pas question. Go. Ah, c'est déjà parti. J'ai tenté le 3 wide, je me suis calmé tout de suite. Je suis tout de suite calmé avec le 3 wide. On va chercher la corde. Allez, faut drafter mes enfants, sinon on s'en sortira pas. J'ai un stop and go, je suis dégueu. Sérieux, qu'est-ce que t'as fait? T'as doublé avant la ligne? Ouais. J'ai eu le drapeau vert, je suis trop excité. Et puis... Outside. Tant pis, je vais essayer. Oh la vache! La France vit des moments difficiles. Inside, inside. Clear low. Toujours Johnson, le 8 à surveiller. Hein. C'est lui qui avait fait le crash. Je suis deg. On a pris un bon départ, pour l'instant on est P5. Hein. Nice and smooth. Salut Zerator. Smooth. Ah, je suis deg, j'ai fait de conneries, c'est ma faute, tant pis. J'aurais pas dû. Attends, parce qu'ici c'est la foire d'empoigne. On est en train d'aller chercher le podium, mais à quel prix? Faut pas qu'il ouvre. Faut pas qu'il ouvre. S'il ouvre, on est mort. Il ouvre et il me fout dans le mur. Le même? Mais ouais! Still there. Salaud, va. Et voilà, qui perd la place. Clear. Va me le foutre dedans. Chah. Oh la vache, c'est du suicide. Mais qui a validé ça à la FIA pour... Enfin, la FIA, dans la NASCAR, ils s'en foutent, mais... Oh là là, les changements de ligne de Sagouin. Oh là là. Oh là là, ça a tapé devant. Johnson qui m'a pas vu. Encore? Ah non, mais il me... Lui, je vais lui envoyer un petit message après le... Le meeting, parce que là on vient de passer un moment, on a eu trois changements de ligne pour les trois pilotes, c'était très très chaud. C'est de rester concentré, mais surtout ne pas perdre le draft des hommes de tête, c'est le plus important. Oh là là, mais ça va finir par taper, hein. Il y en a un qui va finir par voler et ça va me retomber dessus parce que je suis 5 mètres derrière comme la dernière fois. Oh, un accident, je vais en profiter. Non. Nope. Oh là là, tout le monde qui s'ouvre, ça part très large pour tout le monde. On revient à la corde. Allez, le top 5, il vaut cher. Les 5 premiers sont quoi? J'exagère peut-être. Allez, 3-4 dixièmes là. Allez, tiens la corde, ma grande! Faut rester calme. Ça sert à rien de s'énerver, on a le temps. Faut juste que quand l'autre il entend outside, dit. Mais encore une fois dans le mur! Je vais la mettre! Allez, ça part! Ça part! Allez, les trois qui sortent! Et on me fout dehors, je peux la tenir, je suis P3! J'ai pris 6 de car contact! Oui. Ah, ils sont partis à la faute, ils me sont revenus dessus, je suis absolument pas en faute, je prends 6, c'est vraiment injuste.
J'ai une odeur de drapeau à damier de champagne qui commence à me monter au nez, mec. Moi, je suis dernier et je les ai laissés passer par fair play parce que j'avais un tour de retard, donc... Oh la vache. Oh, y a un énormissime crash dans la ligne droite de derrière. Plein de fumée dans le 3. Il y a une voiture au ralenti, je crois, dans le 3. Le spotter me dit rien, on continue comme si de rien n'était, pied à fond. Allez, à la spi. On a un gars devant à 1100, un autre à 1200. On a le même niveau, on est vraiment bien ensemble là. Il faut qu'on se comprenne. Le numéro 9, il a fait un super mouvement ici même, il y a 2-3 tours. Il faut qu'on trouve l'intérieur sur le 6. On y est. Le jeu considère pas qu'on est à hauteur pour le spotter, mais on n'était pas loin, je crois. Oh, ils vont se toucher. Ils vont finir par se toucher. En tout cas, ça pousse. Ça pousse très très fort entre les deux premiers. On est là en train d'observer. Désolé, hein, je passe un peu en stress là. Oh la vache, il faut qu'on puisse ouvrir un maximum. Allez, il passe à l'intérieur, il fait une petite faute. Le numéro 6 dans le mur. On est à l'intérieur. Allez. Outside. Still there. Si on est plus rapide, on est plus rapide. Il freine. Il a freiné le numéro 9. Il nous a bloqué pour qu'on perde l'élan, en tout cas l'avance. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Là, on vit quelque chose de vraiment très très chaud. Et il va encore bloquer. On est obligé. Je donne un coup de frein, tant pis. Je préfère donner un petit coup de frein que de tout perdre. Voilà, toujours la numéro. Numéro 9 devant. C'est chaud. J'ai la 6 à ma droite. Dieu merci. J'ai le triple screen. La 6 qui va revenir à la deuxième position à la relance. On garde la speed du 9. Il faut qu'il reste devant nous. S'il choisit le 6, on est foutu. On se bat pour la deuxième position. Attention à un éventuel dévantage. On est collé au numéro 9. Et on y va. Il nous laisse pas passer. Il nous laisse pas passer. J'ai été la moitié de la voiture à l'intérieur de la bande blanche. Le 6 toujours à mes côtés. On est côte à côte depuis 2 tours. Magnifique. Et grâce au numéro 9 qui reste de notre côté. Et ça ressort des boxes, attention. Le 9 à la corde, on est un peu gêné, on perd du temps. Et on laisse repasser le numéro 6, attention, numéro 8 qui revient derrière, c'est Johnson. Qui prend la tailleur, incroyable. On est à 4 pour la victoire avec Johnson. À l'intérieur, drapeau bleu pour les voitures devant, mais il va falloir trouver l'ouverture. On est sur le haut de l'ovale, c'est pas mieux. Ah non, pas on ici, va mais... se remettre quatrième peut-être derrière Johnson. À l'intérieur sur Johnson maintenant. Still there. C'est incroyable, c'est ouf, c'est ouf. Pensez pour les voisins. Magique, on fout des voisins. Clear. On est en bagarre pour la tête avec Johnson. Inside, one only, still there. Still inside your door. Les autres se sont fait piéger par les retardataires. Quelle ironie que ça se joue entre nous, bordel. C'est incroyable. Kyle Busch a fait quelque chose, il a gagné, personne lui a rien dit. Enfin, moi je dis ça, c'est un gros problème. J'ai déjà 6 de safety rating. À l'intérieur, on y est, on y est. La numéro 5 qui sort, Johnson qui referme, il ne nous voit pas. Mais c'est l'accident, parce que ce fils de n'a pas pu regarder où il allait. Et on est touché, et c'est la fin parce qu'on était en tête. Va voilà, t'es en tonneau. Tu peux continuer. Allez, on est reparti. Mais quel truc. C'est pas possible. Je vais vous montrer le replay. Il me ferme la porte, j'étais à l'intérieur. C'est incroyable. Voilà, quoi, ça t'apprendra. Fuck green, je sais pas quoi. Ah oui, carrément. Oui, non, mais... j'assume pleinement, je suis désolé. Mais là, c'est tout sauf ma faute. J'étais à l'intérieur. Allez, remontez P4. Alors, il y a 10 secondes sur le top 3, ça me paraît compliqué. Alors, je vais essayer de ne plus crier parce que là, c'était quand même assez chaud. Mais une fois de plus, une bagarre magnifique. Et Johnson qui vient... Voilà. Devant tout le monde, hein. Il filme ça en 4K, en grand angle, pour tout le monde. Ah, ça va lui perdre.
Oh, Big One. Big One dans ma course. Et c'est dommage que j'ai pas de vocal, hein. Outside. Emery qui va récupérer 4 positions. En plus, c'est mon pote, yep. Non, je suis deg. Oui, ah. Je suck. Eh ben, je suck. Eh ben, t'as qu'à fermer ta porte quand y'a personne en bas de l'ovale. Ça t'apprendra. Pourquoi tu. Qu'est-ce que tu lui as fait? Oh, bah, j'étais à l'intérieur, il ferme la porte comme si j'étais pas là, on se touche forcément. Il reprend la corde, tu es à l'intérieur. Ah oui. Alors, moi, ironie du sort, putain, je me promène. Parce que j'ai fait un bon départ, mais en fait, j'ai dépassé avant la ligne. Et je suis revenu à ma place. En faisant rien. Oh, bien. J'ai rien fait. Je me promène depuis tout à l'heure. J'ai pris 10 de SR par contre, ça fait très très mal. Ah ouais, ça va pas être bon. Surtout que toi, le SR, c'est ce qui compte pour toi là, pour monter en D. Peu importe, c'est pas grave, je me serais amusé. C'est pour ça que je paye, comme je disais tantôt. Yep. Passer une super course. Il va rester 3 tours, on va essayer de pas se mettre dedans parce que la voiture a un peu de travers avec des contacts. On n'a pas tapé franchement très très fort, hein, donc on est peut-être moins rapide, mais je suis repassé P3. Et 5 secondes et 6 secondes pour les deux hommes de tête. Ils sont là-bas au fond, les deux leaders. Brisky et Pillinger. Je rajouterai ma touche vocale à la fin de la course pour expliquer à Johnson comment ça se passe. Hein. Je fais plus 2 en position. Toujours Je vous montrerai aussi le replay. Hein. Tant qu'à faire, on débriefera la course. Ça se fait aussi. Oh là là. Ah, je me suis fait, mais alors là, émasculé sur la place publique. On était bien et on se battait, ça a duré. J'étais côte à côte avec le 6 ou le 8, je crois, le 6, pardon, pendant 4 tours sans problème. On se gérait, on était là, c'était chaud, mais c'était fair play. Le mec, bah, il arrive et voilà quoi. Alors je crois qu'il m'attend, hein, peut-être, je sais pas, pour l'instant non, il n'y a pas l'air. 5 secondes 3, 5 secondes 8. De toute façon, je compte sur vous que si je me prends un mec, c'est report. Hein. Donc voilà. Alors il reste. Il va rester le dernier tour et on va faire un podium. Alors je suis vraiment déçu parce que je pouvais la gagner celle-là sans trop de problèmes. Ou en tout cas faire une deuxième place derrière, derrière Johnson. White flag, j'ai le 8ème qui me revient dessus. Est-ce que j'ai mis un pass left? Je pense que oui, mais je le vois plus avec le JRT en fait. Les messages. On va aller s'expliquer avec Johnson parce que là, il commence un peu à me chauffer. Il continue? Non, mais il a dit que je suckais et que. Ah ok. Donc on va aller voir le replay. On va voir. J'ai peut-être tort. Hein. Je suis peut-être en tort, mais on va regarder le replay. Vous ferez votre avis, vous me direz en commentaire. Voilà, check red flag. Drapeau à damier, 3ème position. On était parti 8ème sur la grille, je crois. Vous allez vous faire votre avis. Je suis la voiture numéro 3. Johnson est la voiture numéro 8. On se bat pour la première place. Vous êtes d'accord? Je suis à l'intérieur. Je prends juste ma ligne et il referme sur moi. Faites-vous votre propre avis. Ah mais... Après, je dis pas que j'ai tort, mais moi, le spotter, si... Alors, le 5 qui se plante, déjà, ça, c'est vraiment pas cool. Mais le mec redescend sur moi. Il me ferme la porte. Je peux rien faire. Alors, si vraiment j'aurais dû soulager, dites-le moi. Mais dans ce cas-là, alors, faut que j'arrête tout de suite. Hein. Voilà. Je vais vous montrer ce que j'avais de mon point de vue. Le 5 se plante, je suis à l'intérieur, je garde ma ligne, il me referme dessus. J'ai pas d'autre choix. Alors oui, je peux soulager, mais dans ce cas-là, je fais pas de course auto, parce que si je soulage, ça veut dire que j'ai pas les coups de tenir. Enfin bref. Comme un NASCAR, un Big One, ça arrive. Hein. Oui, ça arrive, mais dans ce cas-là... Non, mais ce que je veux dire, ce que tu dis, sinon il faut freiner, mais non, les mecs, ils y vont dedans, et puis... Bon, on va se laisser là. Merci à tous d'avoir suivi cette course, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis bien amusé, c'était une super bagarre malgré le contact avec Johnson. On fait un top 3, ce qui est quand même pas mal, mine de rien. Bon, on a pris énormément de contacts, je crois qu'on est à 10 ou 12 au niveau des contacts de safety rating. Mais c'est inévitable dans ce genre de course, je pense, quand on est à la bagarre comme ça. Il y a eu des petits bumps, ça s'était vraiment bien passé, mais bon. J'attends votre avis sur ce qui s'est passé et sur le drame. On va dire ça comme ça. À la prochaine. Salut, Emric. Salut.